Deux fois par jour, et parfois plus, Francine traverse les quelques mètres qui la séparent de la maison de sa maman. Coucou, c'est moi. Yvette a 83 ans et après plusieurs dépressions n'est plus vraiment autonome. T'as vu, j'ai fait un gâteau. Est-ce que vous êtes contente que votre fille vienne vous voir? Ah, très. Si je ne la vois pas, je suis malheureuse. Ce sont des moments que vous attendez? Ah oui. En vieillissant, Yvette a eu de plus en plus besoin de sa fille, qui a toujours répondu présent, jusqu'à ne plus avoir vraiment de vie. Des fois, elle me téléphonait au travail pour me dire qu'elle avait ci, qu'elle avait là. Il y avait des fois, c'était vraiment pesant. Hein. Et puis quand j'arrivais, elle était de suite à la fenêtre, ou si j'avais un peu de retard, c'était oulala, de suite, et qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es en retard? J'étais toujours contrôlée, quoi. Pour soulager Francine, son médecin a mis en place des soins à domicile et un réseau de soutien sanitaire et social autour d'Yvette. Je vois qu'elles sont passées, les aides-soignantes. Oui. Elles sont passées de bonne heure un peu ce matin. Vous êtes prêtes? Les aides-soignantes de notre service interviennent donc tous les jours pour une aide à la toilette et à l'habillage pour madame. Après, donc, il y a un service d'aide à domicile qui intervient pour tout ce qui est aide au ménage, donc aux courses, aide au repas. Francine est également épaulée par le collectif de soutien aux aidants du Ségala Carmozin, créé en 2011. Il regroupe une quinzaine de partenaires. Elle y a rencontré une psychologue et assiste à des rendez-vous mensuels où elle retrouve d'autres aidants. Ça permet de libérer la parole. Il y a toujours de l'écoute et puis il peut y avoir des retours de vécus similaires, identiques, d'astuces, de propositions de solutions. Depuis, Francine et Yvette ont retrouvé le plaisir d'être de nouveau ensemble, juste pour partager un moment de complicité.